Et voilà, bonsoir messieurs. On se retrouve sur F1 2021 pour le premier Grand Prix entraînement avec la team FSR. Donc on va essayer d'aller mollo. Hein. Pas mal de nouveaux qui vont découvrir, pas découvrir le jeu, mais découvrir comment on roule avec la FSR. J'espère que ça va bien se passer. On verra bien. Il y a toujours des belles surprises. Planning la soirée, normal, qualif longue, donc Q1, Q2, Q3, taux de formation et le GP 50%. GP du Canada, bien entendu. Ouais. Et on a le plaisir d'accueillir Assiska à mes côtés. Bonsoir Assiska. Ça va, ça va et toi? Ça va, ouais, nickel. La reprise. La reprise. Et ça fait plaisir. Ça fait du bien, putain. T'as lancé là? C'est lancé, c'est lancé. Allez, c'est parti. Oh là là, météo dynamique sous la pluie. Ça pue, ça pue. Incroyable. Canada sous la pluie. Dans les lobbies. Oh là là, les mecs ils ont dû croquer quand ils ont vu ça. Ça commence, j'ai pas envie de dire ça commence mal, mais ça. Tu nous as fait Movember ou quoi? Eh oui, t'as eu cette belle moustache. Yes, la stache move. Et ça commence fort, donc on a Jam qui sort directement en premier. Je vais vous mettre le live comme ça, ce sera mieux. Tac. J'ai essayé de faire un truc propre. Ah, c'est pas mal. On essaye. Merci à Fragilitis pour le follow. Donc, sous la pluie, bon, c'est les qualifs sous la pluie. J'espère que le GP sera pas sous la pluie. Hein. Sinon, c'est la merde. Donc là pour l'instant il y a Jam, Sixtron, Opta, Axel. Il y a déjà plusieurs qui sortent. Ok, c'est parti, on a Jam qui va commencer son tour. Ça bloque les routes. Ouais, je pense du coup t'es tout décalé à Siska. Ça commence mal pour Jam, ça commence très mal pour Jam qui spin et qui pète l'aileron. Déjà un aileron de cassé pour Jam. Aïe 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 aïe, la pluie, très traître. Très très traître. Ouais, désolé, j'étais en discussion avec le gouvernement. Ouais, je suis. T'inquiète, ouais, je pense que t'es tout décalé là. Ouais. Donc, je sais pas si t'as vu. Il y a déjà Jam qui a cassé son aileron avant. Ah, JP qui a follow, putain, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ah, merci JP, ouais, j'ai même pas vu. Alors. Donc ça commence mal pour Jam. Sixtron qui va donner le tempo, qui arrive à l'arrivée. Ah, Valentin en 1:20.945. Sixtron qui lui pique la place pour une broutille.
nous abandonne, Zibou et Rastaz. Ah, malheureusement, j'ai loupé ça. C'est pas facile tout seul. On a Johnny qui va arriver gentiment à l'arrivée, mais il a beaucoup de retard. Faut que je me remette dans le bain aussi, ça fait un petit bout, hein. Ah, oh putain, ça fait bizarre. Vrai, je viens de reprendre les marques sur le jeu. Je suis complètement perdu. Ah, ouais. On a Richer qui va nous faire un bon chrono, une 18-428. Ah oui. Oula, oui. Qui prend la tête. La pluie. Drapeau jaune, hein. Ah, les drapeaux jaunes dans tous les coins. Ah, mais il y a Jordan Rose qui est un nouveau joueur sur F1 qui a spin. Ah. Ça commence mal pour les Aston, les deux en spin. On a aussi un nouveau là, Ezunay, qui vient de faire un bon chrono aussi. Une 19, quelque chose. Qui s'est mis P3. Aïe 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 aïe. Jam qui a spin. Encore ? Qu'est-ce qu'il nous fait, Jam ? Joli Jam, la marche arrière. Aïe 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 aïe. Ça commence très très mal pour Jam. Deux spins en même pas en faisant un tour. À demi-heure de jeu en même temps. Ouais, c'est pas facile. Ouais, c'est la reprise pour tout le monde. Hein. Surtout que les vibreurs ils pardonnent pas maintenant. Apparemment. C'est très très très. On y met une roue dessus, c'est terminé. Oh, Richer qui améliore son temps. Encore une 17. Oui. Okay. Magnifique. Et Jordan Rose à l'envers, à l'épingle. Aïe 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 aïe, les Aston Martin, une catastrophe. Oh là là. Hop, tac, il y a cut. Torcal qui va arriver gentiment à l'arrivée. Oh. Ça glisse un peu. P6 pour Torcal. Ouais, sous la pluie, c'est pas facile, hein. Ah non, Robin, c'est compliqué là. On a Sixtron aussi qui a abandonné. Apparemment, il dit. Il a vu que. Enfin, il y voyait pas justement. Ah mince. Je sais pas si on peut jouer avec les réglages, tout ça, au niveau des graphismes. Salut Napo21. Salut, salut. Ouais, exact, c'est une ligue sur PC. Si tu veux, si tu joues sur PC, tu peux rejoindre le Discord. Il y a le lien dans ma bio. Allez. Oh, il y a Vidule. Vidule, il a crash. Vidule qui s'est pris un mur. Ah. Il est chaud en vocal, mais maintenant. Ça rigole plus trop, mais non. Ah, ok, Napo. Ah, bah, c'est bien, c'est déjà une ligue, c'est cool. Eh ben, écoute, si tu nous regardes, ça me fait plaisir, c'est cool. Merci pour le follow. Profite bien, mets-toi à l'aise. Alors, pour l'instant, on a toujours Richer en tête. Ezunay P2. Oh, qui a failli spin. Ouh là là, c'était chaud. Hop, t'as au garage. On a le P4 Valentin qui retente un tour. Il commence maintenant.
Alors, Jam, qu'est-ce qui nous fait tour de sortie? Ok. On va rester sur Jam. Et Jam qui spin. C'est pas possible. Et la Ferrari derrière qui spin aussi. Incroyable. Et tout le monde spin. Jamel Boustaoui, grande Aïe génération de aïe aïe Corsa aïe. Competizione. Ah, je pense qu'il a un peu trop joué à CC là, il a plus l'habitude des F1. Il aime plus F1, il aime plus Il ce a sport, ouais. hein. Je pense qu'il joue vraiment parce qu'il se sent obligé, mais là, son cœur est ailleurs. On va le regarder, il va commencer son tour maintenant. Ouais, il est impressionnant, je pense. On va enlever ça, ce sera plus joli. Il est impressionnant, plus de ça, je pense qu'il doit avoir ton stream allumé. C'est possible. Ah, c'est sûr. Oh, il y a un pneu sur la route. Et ouais. Et oh putain, il cut, il cut. Il souhaite des carcasses, les pneus. Ah, il est en rouge, hein? Non, ouais, il est en rouge, il a cut. Ah, Aïe aïe aïe, jam. hop Et il là, et spin. le petit spin pour finir. Non, c'est pas possible. C'est cadeau pour toi, public. C'est pas Lâche-moi des possible. tirs. On a son coéquipier Jordan qui va arriver à l'arrivée, si tout va bien. Inch'Allah, comme on dit. Il va passer la ligne. Bon, il est loin, il est loin. Ah, il est loin, mais bon, il a bien le P9. temps. J'ai confondu. P7, pardon, ouais. Ouais, J'ai confondu. c'est Axel Meyer qui est P9 Ouais, qui j'ai peut sortir. confondu avec la couleur. Là, c'est pas grave, on recommence pas, c'est tout. On a déjà 5 abondants. Ça veut dire tous ceux qui sont pistes passent en Q2. S'ils font pas d'accident, ils passent en Q2. Ah, les chronos hein, devant, ça roule vite, hein, ce Richer, hein. Est-ce que Jam va réussir à finir son tour cette fois? Qui va finir les QM. Au moins un chrono, Jam, au moins un chrono. On a Typique. Nevo qui vient de se placer en P4. En plus, c'est que des nouveaux là. 1, 2, 3, Richier, Azumé et Opta, c'est Ouais, P1, P2, des gens P3, qu'on connaît c'est pas. des nouveaux, c'est des gens qu'on découvre. Parce que. Ouais, Johnny, ça joue un peu plus devant. Normalement, Torkal aussi, mais il me semble pas qu'il soit à l'aise sous la pluie. Non, sous la pluie, c'est pas. Ouais. Ulm, il y est pas, non. Non, Ulm n'est pas, ne participe pas. Temps pour qu'une Sirius aussi, yeah, c'est à nouveau. Sirius, c'est un nouveau, oui. Le P6 aussi, Valentin. Y a que des FSR chez les NT. Ouais, Sixtron, Vidu, Lenkata, Lazibou. Il se moquait de Rami, mais avec Ah, les NT, Rami. alors Rami qui crash, il fallait pas. Alors Jam qui va nous faire un chrono, ce sera pas son meilleur chrono, mais au moins il a un chrono. Il reste P11, P11 pour Jam. Fort tryhard. Il y a du boulot. Là, je me suis mis sur Axel Meyer. Ah, qui la cut. Alors, c'est mort. Alors, on va regarder Opti, qui n'a toujours pas de chrono. Opti aussi, hein, c'est un très bon pilote. Pilote très technique. Oh, blocage des roues, mais ça passe, ça passe. Il a le meilleur chrono en secteur 2. Est-ce qu'il va nous chercher les premières places? On va voir ça. La dernière chicane. Ça passe, il faut accélérer, ça va être chaud. Ah, la P1 c'est mort. Ah, P6 pour Opti.
Très bon temps. Très bon temps, mais pas suffisant. On a Valentin P4 actuellement qui va refaire un tour, j'imagine. Axel Meyer P10 qui retente sa chance aussi. Aïe, ah non, il rentre. Il avait cut. Et j'ai l'impression qu'il a arrêté de pleuvoir. En tout cas, je ne vois plus de pluie. Ah ouais, j'ai vraiment l'impression parce que on a Valentin qui spin. Niveau stratégie, ça va être pas mal ça. Ouais. Il est sur le sec. Et là, je pense, ouais, lui, il a un pneu plus légère. Et on a Nevo Caspin. Ah, Nevo Caspin. Aïe 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 aïe, c'est le championnat des spins ce soir. Il reste 2 minutes. Hein. Exact. Donc beaucoup de casse hein, pour l'instant. Ah ouais, quasiment la moitié. Ah là, il y a vraiment beaucoup de monde qui... Ah, Axel, il a monté les softs. Ah. Ils yes. doivent être dégoûtés, ceux qui sont NT. Aïe, aïe, aïe. Ouais, beaucoup, beaucoup de NT, là. Ça va être chaud. Si, il faut qu'ils se dépêchent, mais c'est faisable. Ouais. Il est tout seul sur la piste, il a la piste pour lui. Elle est limée, la piste, en plus de ça. Ouais, elle a l'air toute sec là. Ah ouais, sans forcer, il fait 10-15. Ouais. On va regarder ça. Ok, c'est parti. Allez, faut pas cut là. Non. Normalement, c'est une P1 gratuite, ça. Ah ouais, c'est cadeau. Faut pas faire d'erreur. Oh, j'ai l'impression qu'il a cut. Ouais, je dirais qu'il a fait une erreur, justement, il a cut. Ah, il est en rouge, de toute façon. Ouais. Ah ouais, pour moi, il a cut. C'est sur la première chicane, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est dommage. Dommage. Bon, Q1 très mouvementé. Et regarde, attends, il faisait le tour à une... une 13. Ah, il est joli, une 13. Là, il fumait tout le monde. Ok. Là, il aurait pu manger tout le monde. Ouais, dommage. Aïe aïe aïe, Azibou, l'hécatombe complète. Oh mince, il faudrait faire un screen. Mais j'ai je pas le. Ah, bien joué à Siska. J'ai failli oublier. Donc, ouais, qu'une riche en émotions. Hein, beaucoup de. beaucoup d'abondants. Beaucoup d'accidents.
La joie de la pluie. Ça commence bien. Ça commence très bien. Si je dis pas de bêtises, ils sont que 10 pour les Q2. Pourquoi? Parce qu'il y a 8 abandons. Oh là là, ouais, Donc, super. Incroyable. Tout le monde est qualifié. si personne ne fait de bêtises, tout le monde va en Q3. Bienvenue en Q3. Allez, Santa qualifié en Q3. Déjà, Amazon est riche et Optom. Eh voilà, beau soleil en plus. Tous ceux qui ont forcé d'entrer là. Cette T'es pas catastrophe. mute dans le jeu, Siska, je sais pas si c'est fait exprès. Ah ouais? Ouais. Et vous pouvez pas mute vous? Non, mais faut que tu te mutes. Faut que tu ailles dans les options et tu mettes appuyer pour parler dans les audios. À vos ordres, mon capitaine. Merci Oh. Bon courage. Rami, Attends, bon attends, courage à attends, toi. attends. Bah il saura de toute façon C'est bon Narvalo. là ou pas? Non, mais. Moi j'ai mieux tout le monde donc. Ouais. Là, je suis muet par défaut et appuyé pour parler, c'est bon ou Ouais, pas? c'est bon, C'est ça bon. c'est bon, ça c'est bon. Ok, nickel. À Allez, tout à bisous. l'heure. À toutes, bonne chance. Alors, on a Jam qui est dehors. Axel Meyer, Torkal, Nevo, Valentin, Queen Sirius. Sous le sec, ça devrait mieux aller, hein. Ouais, c'est les derniers petits réglages avant d'être opérationnel, mais ouais, Ah, sous le ça. sec là, là ça risque d'être un petit peu plus serré Ça devrait, ça devrait. et de spin un peu moyen. Alors ça sort en soft et en médium. Ouais, Ah, mais alors. Ezune qui a gardé les intermédiaires, on sait jamais. Il est toujours au garage, donc ça va. Pour l'instant, il n'est pas sorti. Mais pour l'instant, on a 5, 5 soft et 4 médiums. Et un intermédiaire. Allez, c'est parti pour Jam. Alors, Jam, ouais, le celui qui est tout devant, c'est Valentin qui va faire le premier chrono. Est-ce que ça Et sera le temps de référence? Je on ne aura pense Jam pas. 3 derrière, mais si je dis pas de bêtises, Valentin a cut. Et ouais, il est en Alors, rouge. Nevo aussi, la cut. on va regarder Jam, son temps de référence. Jam qui est dans le sillage d'une Red Bull. Ouais, c'est Valentin qui laisse passer, c'est bon. Alors Jam, bien entendu, qui a le meilleur chrono secteur 2. Bravo, hein. Joli Jam. Ah, GG. Et voilà, dans quelques mètres, Jam. Oh, il sort un peu Oh là large. là 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 là, ah, c'est, je Mais pense que ça s'est pas joué à beaucoup. quelques centimètres, mais c'est bon. Alors Jam 14. qui donne le ton à 1,14, oui. Ok, tout à l'heure c'était une 13. Exact. Qui c'est qui arrive derrière? Qui c'est qui arrive derrière? J'ai pas vu. Ah, Torkal. Ouh! Ouh, Torkal qui Torkal nous qui sort marche. en Ah médium. ouais. Il a sorti le point exé. Une 11 en médium. Le point exé. J'espère pas. Le fameux. Là, je rigole. Eh ouais, Azune, il est sorti en vert, hein. Ouf, grosse erreur, grosse erreur Ah, d'Azune. je pense qu'il s'est trompé, hein. Il a le stress, il a le stress. Ah, la pression, les gars, c'est les effets d'entraînement. On a le Opta qui va gentiment passer la ligne, on va voir son chrono. Il peut viser la P2. Et oui, la P2. Oula, joli. Une 11. Aussi, très serré avec Torkal, hein. Les deux en médium. Hein. Les deux en médium. Ah, je pense que John va essayer de refaire un temps en médium maintenant qu'il est en confiance. Je pense, ouais. On a Valentin aussi qui va passer la ligne. Kondratovic, j'arrive pas à dire son nom. Nous l'appellerons Val. Val.
Nevo qui prend la P1, une 10 en médium toujours. Mais alors là, les softs, oh, qui fassent du mal là. On a Richer qui avait un très bon chrono sous l'appui et est toujours pas sorti. On va regarder Val. Au volant de sa Williams. Bizarre. Très bizarre. Et Val, ou qui prend la P2. Très bon chrono aussi. Une 10-0-45. Très très bon chrono. Alors, j'ai loupé. Voilà. Tac. On va regarder bon Ezounet qui est en intermédiaire. Voilà, bien sûr les chronos sont pas magiques. Hein. Richer aussi qui est intermédiaire, Meyer qui est en intermédiaire, Sirius aussi. Ah là là, les nouveaux qui ont la pression. On va regarder Opti qui est en tour de sortie. Alors, on va attendre un peu. Qui c'est qu'on a d'autre? Tour de sortie, tour de sortie. Tout le monde est en tour de sortie ou bien? Val qui a refait un tour mais qui n'améliore pas. Pour la course ou... Alors je sais, c'est dynamique tout le long, donc j'ai pas du tout, j'ai pas regardé ce qu'ils ont annoncé. Non, parce qu'est-ce que c'est pas une stratégie de faire cette séance en intermédiaire? Non, je pense pas. Moi, je pense pas. Y a rien fait. Non. Non, que je sache, y a rien du tout. Alors voilà, je suis sur Opti qui prend le meilleur chrono dans le secteur 1. Dans les trois premiers optiques. Ouais, il est en soft, hein. Donc il a toutes les chances. Passage très propre. Meilleur temps, secteur 2 aussi. L'épingle. Ça accélère très fort. Alors là, je pense que Opti va nous sortir un temps de fou. Une 09. Ah, il a perdu du temps, j'ai l'impression, mais il passe quand Ah, même. Une une 09, 09. Oh. 918, magnifique, en soft. Joli. Très beau tour. Je galère là. Hop là. Richer qui n'a pas envie de rentrer et changer de pneu. Ça a l'air de aller. Axel aussi, mais hier il a pas envie de changer de pneu. Opta malheureusement qui a cut. Il va refaire un tour. Oh, bah je crois qu'il a encore cut.
Jam qui entre au stand. Richer qui rentre enfin au stand. Plus grand monde sur la piste, on a toujours les mêmes. Val, non c'est Opta, pardon, qui a cut au début. Et on a toujours Axel Meyer en intermédiaire. Il reste un peu plus de 4 minutes dans la Q2. J'ai hâte de voir le départ, mon pote. Je sais ce que ça va donner. Ah ouais. Mais surtout qu'il y a des, je pense, des novices dans les 10 premiers. Et puis des mecs qui vont vite dans les places 10 à 20. Donc ça va vouloir vite remonter. Ah oui. Dès le début des qualifs. Ça risque de. Ah, ça va se bagarrer. Ça va se bagarrer. Hein. Là, c'est vrai que pour l'instant, dans les 10 premiers. 1, 2, 3, 4. 5, 6, il y a 6 personnes qu'on ne connaît pas, 6 nouveaux, 4 habitués des courses chez la FSR, mais 6 personnes qu'on ne peut pas dire si ça va bien se passer ou pas. Là, c'est... Est-ce qu'il va y avoir du ban ou pas? J'espère pas. Les écarts de temps de 1,09 à 1,25 sur les qualifs, donc ouais. C'est très large. Hein. C'est énorme, ah ouais, c'est énorme. Déjà de 1,09 à 1,17, voilà, 12, il y a 3 secondes. C'est très très large. Jam, il a cassé l'auto ou quoi? Non, je pense qu'ils ont. Ouais, ils sont restés au stand. On n'a qu'un seul pilote pour l'instant qui essaye d'améliorer son temps, c'est Opta. Qui prend le meilleur temps, secteur 1. En soft. Ah, il a plus d'énergie. Ah, malheureusement, ouais, c'est son troisième tour ou quatrième tour là. Sans aller au stand. Ouais. Meilleur chrono, secteur 2. Mais non, la ligne droite, je pense, sans le RS, ça va être fatal. On va voir ça. Mais il se démerde bien. Hey, salut Jam! Ah, ben. Il est rentré au stand. Ah, il va au stand. Bon, de toute façon, il est bon pour les. De toute manière, il est qualifié. Qu'est-ce que tu nous as fait, Jam? Donc voilà, tout le monde au stand, plus personne sur la piste. Ouais, j'ai vu ça, Jam, c'est la catastrophe là ce que tu nous fais. Bon, Q1 très compliqué si on fait un petit résumé. Hein. Beaucoup de 8 NT. Ça fait mal. Au départ 18, 8 à l'extérieur. Q2, il se retrouve à 10, donc tout le monde irait en Q3. Ça va être chaud le départ, je pense. Merci Jam, c'est toi qui es stylé. Il reste 45 secondes pour les Q2. Si quelqu'un veut faire un dernier tour, c'est trop tard. MDR avec mon cahier. Je note tout, Jam, je note tout. Je deviens professionnel.
Alors, Q2, Asiska, était là. Es-tu là? Es-tu là? Ah ouais, je Pour suis faire le là. screen. Merci. De rien. Donc voilà, Q2, pas très mouvementé, un très bon chrono de Opti. Mais sinon, rien de spécial à dire. Je ne comprends pas pourquoi les quatre pneus intermédiaires. À les comprendre. Mais pour l'instant, on part sur un Opti Nevo et Val. Je reviens. Oui, pas de souci. Donc maintenant, direction les Q3 pour définir la grille de départ, donc très important, bien entendu. Donc pneu, je pense, sera très simple, sera tout le monde en soft. Hein. Qui sait qui va sortir en premier pour ces Q3? De bouton, c'est pas efficace. Désolé, c'est la reprise comme on l'a dit avant. On se remet gentiment dans le bain. Alors, la première voiture qui sort, qui est-ce? C'est Val. Valentin qui est le premier à s'élancer. Bien faire chauffer les pneus. Pour l'instant, les autres n'ont pas envie de sortir, hein. Ils restent bien au chaud. Ouais, désolé. Ouais, pas de soucis à Siska. On est infesté par le Covid. Ah merde. Pas bon ça, pas bon. Non, je suis le seul vacciné. Oh putain. Alors, ça a commencé, c'est Q3, là, 10 minutes. Oui, ça a commencé. Pour l'instant, ils commencent à tous venir sur la piste. Il y a Val qui a pu faire quasi un tour complet tout seul. Tour de sortie, et bien sûr, il va commencer maintenant son tour chrono. C'est lui qui va donner le tempo. Les gens commencent gentiment à sortir. Ouh, et ça cut pour Val, ça cut, ça cut. Il cut souvent, j'ai l'impression, le petit Val. On a Sirius ensuite qui est parti en deuxième. Actuellement en tour de sortie. Ah, il y a du trafic là. Il y a du trafic qui sont. Ouais, il y a tout le monde qui sort gentiment. Ah, il y a Azune, Val, Octa. Sirius qui freine trop tard. Donc Val, lui, il a tour annulé. Le deuxième à s'élancer, c'est Sirius qui vient juste de passer la ligne. Mais qui a déjà cut, si je dis pas de bêtises. Aïe 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 aïe. On a Jam en tour de sortie. Ah. Et Zunay qui commence son tour chrono sans pneu intermédiaire. C'est déjà bien. Ouais, Ouh, ils sortent ça en passe soft proche. déjà. Ouais, tout le monde en Regarde-moi les soft. pilotes. J'ai l'impression qu'ils ont discuté entre eux. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Mais quoi? Alors, est-ce que tu peux monter un petit peu le son de ma voix ou pas? À peine. Oui, je vais faire ça.
Hop là. Voilà, j'ai augmenté un peu. Hop, maintenant j'ai fait une bêtise. Avec plaisir. Alors, Rizune qui va faire son tour chrono. Ah, on a Val qui fait une 9. Très bon chrono de Val. Et Ezune qui prend la Je P1. passe devant. Ouais. Ah, ça va bien mieux sans les intermédiaires. Ouais. Ah, ils ont troll, c'est sûr. C'est possible, hein. C'est possible. On a Nevo qui arrive gentiment à la ligne. Ouh là là, ça va être très serré. Mais ça passe pour Nevo. Ouh, sacré chrono de Nevo. Une 915. Est-ce que tu peux monter encore à peine un petit peu, s'il te plaît? D'accord. Merde, alors je vais Parce que mettre. apparemment on m'entend pas très bien. Ouais, j'ai monté un peu beaucoup, mais ça devrait aller. Hop. Merci. Ah mais que je sois pas. Tu me redis si jamais. Ouais, que ça soit pas plus que l'autre quand même. T'inquiète. Alors, maintenant j'ai loupé Jam. Jam qui a fait une 11. On a Sirius aussi qui est venu se caler P2. Axel Optif, je le vois Meyer. bien sortir vers la fin. Ouais, Il va claquer un temps et voilà. il a souvent l'habitude de sortir vers Ouais, la c'est fin. ça, il fait du one shot. On a Ouais, je sais, il sort. Axel Meyer qui Comme va ici. passer la ligne maintenant. Mais un chrono très beaucoup plus long, une 15. On va regarder Torkoal. Alors, ou freinage très tard pour Torkoal. Ah, malheureusement, Torkoal, il est un peu plus long. Ouh, j'ai pas vu ça, mais on a Val qui prend la P1. 1-08-988. Torkoal qui vient se placer P5. Là, ils sont un peu tous en même temps, là. J'arrive pas à gérer. Je suis en train de voir si je peux monter le son de mon côté parce qu'apparemment. Toujours pas! Hein? C'est toujours pas assez fort. Ouais, c'est peut-être encore un peu faible. Aïe 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 aïe, alors attends. Bizarre ça. Ouais. Mais je sais pas si c'est pas mon casque qui. Je sais pas, je viens de changer. Là, je t'ai mis plus fort. Ok. Qui Ouais, non, se mais. dénonce? Qui se dénonce, celui qui trouve que c'est pas assez fort? C'est trop faux le dire aussi. Alors, je vais regarder Richer qui est dans la dernière ligne droite. Ou qui sort, qui a effleuré le mur. Mais ça va passer ça. Oh, le chrono Oh de là 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 Richer! là! 1-07-821. Là, ça va discuter là. Rendez-vous au premier de reste parce Aïe que c'est aïe 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 aïe. putain Sacré chrono. incroyable. Là, je pense que. Ouais, ça envoie du lourd. Ah, il faut surveiller Torkoal là, je pense que. Il a moyen de grappiller quelques places. Il a moyen, mais je pense que il va refaire un tour là, parce que là il est pas à fond là. Ah ouais, il est pas à fond là. Ouais, il cut. Regardez
cette belle Red Bull. Oh bah il a cassé en fait, il a cassé l'aileron avant. On va se mettre sur Jam qui est en tour de sortie. On va regarder son tour de sortie et son tour chrono complet. Allez Jam. Alors, Jam qui va débuter son tour chrono. Très bonne première chicane. Ça passe, normalement ça passe. Ah, Jam, il est pas assez rapide, Jam. P7 pour Jam, une 10-705. Ah, y a du bon niveau ce soir, il y a du très bon niveau. Ouais, ça c'est sûr, il y a du bon niveau. Ouais, oh, puis Jam qui a spin en plus. Maintenant, tout le monde est dehors, sauf Axel Meyer qui est au stand. Opti qui a commencé son tour chrono. Ah, et Jam qui a été disqualifié. Arrêt à un endroit dangereux, il a dû laisser passer, ok. Ouais, je pense qu'il a dû faire une marche arrière ou un truc à la con. Aïe Dommage. aïe aïe, Jam, Jam, Jam. Ah, il va venir sur le chat du coup. Il y a forte chance. Ouh, et je crois qu'on a. Ah non, Torkoal qui a quitté la session, c'est bon. Ouh, par contre là, j'ai Richer qui a spin. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Il n'y a plus d'aileron. Et ça arrivait. Ça arrive. Il est dans la ligne droite là. Ouf. Et au petit, une 9-601. Aïe 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 aïe. C'est déjà un meilleur chrono qu'avant. Avant, il avait fait une 9-918. Mais c'est pas assez pour prendre les trois premières places. Jam disqualifié car il a laissé passer des véhicules. Et oui, Jam, c'est malheureux, mais tu sais comment fonctionnent les jeux F1. Ça fait chier. Donc voilà, la fin des Q3. On a notre grille de départ. Richer qui part en tête avec un chrono incroyable. Ezune P2 et Val P3. Opta P4. Nevo P5. Alors là, c'est incroyable. Les quatre premiers sont des nouveaux. Ah bah on va suivre ça On va d'assez suivre près, hein. ça. Allez, Jam, donne tout pour la course. Concentre-toi.
Alors voilà, le départ qui va être dit ici quelques minutes. Donc, comme je l'ai dit avant, petit tour de formation. Et ensuite, les pilotes s'alignent et le départ sera donné. J'ai hâte de voir ça. Si vous voulez faire les petits pronostics dans le chat, pardon. Déjà, on commence sans la pluie. Ça avec grand plaisir, oui. À pronostic, bah, Six Strong, il fait pas un tour. Tu crois? Ouais, non, c'est sûr. Je suis médisant, putain. Un Catal, ouais, si, un Catal. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ok, alors tour de chauffe. C'est parti pour le tour de Tour de formation. formation. Eh oui, Catal qui part P15 Gopta. Ouh, j'ai vide avec abandon l'impression Q1. que. J'ai l'impression qu'on a des copains à Opta dans le chat. Bienvenue Greg. Mets-toi à l'aise. Et profite de la course. Azibou aussi, pardon, ça peut jouer devant. Oui, Il alors part P17. il part très loin, mais ça peut. On connaît les talents d'Azibou. Jam, on va regarder un peu les pneus. Ouh, beaucoup de médiums là. Ah, c'est vrai que c'est assez. On a Jordan qui est parti en hard. Ouais, on a un hard, Jordan, mais sinon Richer P1 est parti en soft. Ah, je pense qu'il veut creuser l'écart d'entrée. Ouais, les 5 suivants sont partis en médium, mais après ça jongle un peu, soft, médium, soft, médium, médium, soft. Oh, qu'est-ce qui nous a fait une Ah là catale? là, je sais pas. Est-ce que c'est un bug du jeu ou de toute façon, normalement, si c'est comme le F1 2020, il réapparaîtra sur la ligne de départ? J'espère. J'espère que c'est un Et un bug. Catal Rami, ouais, j'espère aussi. Ou après, est-ce que c'est Rami qui nous a fait une variante? C'est possible. On le connaît. Il est coutumier du fait. On le connaît. N'est-ce pas, Rami? Saoud. Ok, mesdames et messieurs, départ d'ici quelques secondes. On va se mettre sur Jam qui est en milieu de grille. On va regarder ça. Bonne course à tous. Et s'il vous plaît, pas d'accident. Allez. Focus. Ok, c'est parti. Ok, pour l'instant, ça va. Ah, c'est assez propre, hein. C'est propre, ouais, c'est On très, voit mais ça touche qu'on pas. se laisse la place, tout ça. Pour l'instant. Oh, ça touche un peu là avec Sixtron et Johnny. Ouais, Johnny, il a perdu des places, hein. Ouais. Alors là, bien entendu, on a le bug du jeu avec les places. On va attendre un petit peu. Putain, c'est fou quand même, hein. Malheureusement, on a Opta, je sais pas ce qu'il nous a fait, il nous a perdu 8 places, 9 places. Optique a pris un très bon départ, hein, qui a gagné 3 places. Et Ouais, étonnamment, c'est vrai. Rami aussi qui a gagné 5 places. Magnifique Rami. Je vais rester un peu derrière, ça se bat déjà avec le RS.
Oh. Une 16-140. C'est le premier tour. Il roule fort, Richer. Il roule très très fort, hein. On a Yezune qui est derrière, qui ne le lâche pas. Val qui essaie de suivre. Opti. Oh, secteur 2, on a un accident. On a Nkatal qui a spin. Aïe aïe aïe, Nkatal, allez Nkatal. Opta qui a dû faire un arrêt au stand. Zibou qui a déjà 5 secondes de pénalité. Ouh, mais Richer, il roule très très fort, hein. Ah ouais. Et là, il est quasi à l'arrêt, qu'est-ce qu'il Et nous fait? ça, ouais, on a une voiture de sécurité virtuelle. Ah, c'est Val. J'ai pas vu Ah, c'est ça. dommage. Mais C'est Val dommage. qui a dû s'envoyer dans le mur. Et Nevo qui a été disqualifié. Oula, j'ai vu une voiture à l'arrêt aussi. Nevo, ouais, voilà. Rami qui a pris 5 secondes de pénalité pour un drapeau jaune. Aïe, 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 attention, attention, qu'est-ce qu'ils nous font? Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Val et Nevo. Je sais pas ce qui s'est passé chez Nevo. Ouais, je sais pas, dans la voie des stands, je sais pas trop. Oh, on a Torkal qui a crevé un pneu. Pneu avant gauche. Ah, surtout que c'est tellement inconduisible. Ouais. Là, il va Il devoir passer crevait au sur. stand, hein. La carcasse qui se découpe et le flingue qui reste. Aïe, 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 aïe. Et ils sont plusieurs à aller au stand, hein. On a Vidule, Rami, Jam, Richer. Ah non, j'ai rien dit, Richer n'est pas au stand. Est-ce qu'ils nous font une tech... une stratégie? On va savoir. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme pneu? On a Jam qui est sorti en hard, Vidule aussi. Ouh! Les stratégies des fous. Est-ce que pour Jordan de partir en hard, c'est aussi ça va pas payer? Ah, peut-être, hein. Où il est Jordan? Il est 7ème, hein. Il était parti loin, mais maintenant il est P7, hein. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas les aides au stand là. Je viens de voir qu'Nkata a pris 3 secondes pour Ouais, je pense qu'il a oublié. une vitesse excessive dans les stands. Ouais. Pourtant, il fait partie de la de ceux qui font les règles. Oui. Bon, ouais, déjà beaucoup de mouvements, hein. Tour 3, tour 3, tour 4. La première voiture de sécurité. Ça a remodelé un peu le classement, hein. On a Ezune P1, Opti P2 et Sirius en P3. Les McLaren qui sont sur le podium pour l'instant. Richer qui est pas bien loin, hein, il est quatrième. Mais il était pas P1. Il était P1 mais il est passé au pit, il a été mettre les Ah, médiums. eh oui, d'accord. Et j'ai été médisant pour Sixtron qui est toujours en course. Oui, Sixton toujours là, hein, P8, P8. Excuse-moi. Alors s'il vous plaît, maintenant pas d'accident pendant la voiture de sécurité, hein. Nkatal qui est passé au stand.
Pour l'instant, hein, qui profite bien à cette voiture de sécurité, c'est Rastaz, hein, qui a gagné 12 places, qui était dernier, il se retrouve P6. C'est vrai qu'il a fait une belle remontée là. Là, Incroyable. ça lui a fait du bien. Par contre, il est en soft, hein, il va devoir rentrer changer. Ah ouais, là ça va. Alors la voiture de sécurité va rentrer. On va regarder la relance. Est-ce que Opti va essayer de prendre les devants sur Izune? Ouh putain, et Opti il a failli taper. Faites attention les gars s'il vous plaît. Opti qui est très très proche, hein. Il est à l'affût. Oh, Izune qui relance. Et Opti qui est un peu tard. Alors la relance, hein, pour l'instant propre, pas d'accident. On va voir au premier virage. Rastas qui gagne encore une place. Pour l'instant pas d'accident. C'est bien les gars. Sirius qui prend une pénalité. Et là on a Nevo, salut Nevo. Je me prends un débris crevaison pneu arrière, je spin disqualifié pour le blocage descendant. Oh non Nevo. Oh mince, c'est tellement bête. J'ai l'impression que ça arrive qu'à toi ce genre de truc. Ouh là là, il y en a qu'une Cyrus qui est NT. Oh non. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a spin. Je sais pas, j'ai pas vu. J'ai juste vu Ouais, ce... dommage, dommage pour Nevo. Ouh, attention, attention, on a aussi Rami qui est out. Et deuxième Encore une voiture de voiture de sécurité. sécurité. Epic. Ouais, parfait. Allez, voilà, ça pite. Alors là, niveau stratégie. Aïe aïe aïe, alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu quelque chose entre Sirius et Rami. Parce qu'ils se retrouvent les deux NT au même moment. Aïe 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 aïe, beaucoup au stand, hein. N4, Opti, Axel, Rastaz, Jam, encore une fois au stand qui remet des médiums. N'Katal qui Katal qui. reprend une pénalité. Azibou qui change l'aileron aussi, il a dû Azilrou, toucher. ouais, il a dû toucher. Ah, on peut peut-être un Katal, il aime bien 3 secondes, 3 secondes. C'est le Peut-être. seul qui a des pénalités en plus. Ouais, les autres ont, j'ai vu, ils ont pu profiter de faire leur pénalité au stand. Alors, messieurs et mesdames, on est reparti pour une voiture de sécurité. Ouais, ça commence très très fort, hein, ce GP. Parti à 18, on se retrouve déjà à 14 au tour 7. J'espère qu'ils vont au moins finir à 10. Oula, puis là il y a eu un souci de. Ah, je sais pas ce qui trafique, Richer et Zuné, il se passe devant. Pour l'instant, on a Johnny Bigood qui fait une bonne affaire, hein. Il a gagné 7 places. Il se retrouve P5. Jordan aussi qui a gagné 10 places. Il se retrouve P3. Qu'est-ce que ça donne niveau pneu? Alors là, tout le monde est en médium, sauf Vidule et Jordan qui sont en hard. À Jordan, il a pas pit du coup. Non, Jordan Il n'a se pas retrouve pit. troisième. Exact, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, début de course très mouvementé, hein, c'est pas facile. Bon, et bien comme je l'ai dit avant, hein, c'est la reprise des GP F1 pour la FSR. Profitons
premier GP sur F1 2021, donc tout le monde doit se remettre dans le bain. C'est pas facile pour les pilotes, c'est pas facile pour nous aussi là, les commentateurs, on galère un peu, hein. On se remet dedans, on se remet dedans. Mais j'espère qu'on va bien finir ce GP. La voiture de sécurité qui va rentrer ce tour. On va regarder la relance de Richer. Je vais me mettre sur Ezounet. Les pilotes qui font chauffer leurs pneus. Ezounet qui est très très proche de Richer, hein. Il est à l'affût, il est à l'affût. Je pense qu'après la chicane, ça va partir. Non, il attend, il attend. Oula, Ezounet, Ezounet, Ezounet. Attention, Ezounet. Et c'est parti. Ok, c'est reparti. On va regarder que ça tape pas. Ok, pour l'instant, ça tape pas. Johnny Bigoud qui est très très proche de Opta. Opta qui. Ouh, est-ce qu'il s'est mis? Qu'est-ce qu'il nous fait, Opta? Pourquoi? Il est en IA, j'ai l'impression, Opta. Ok, mais pour l'instant, pas d'accident, ça fait plaisir. Attention, Jam qui Petit prend des risques. bâtard obtient Catal. Ouais, on a Jam qui vient de gagner une place. Merci Greg, impec pour le live, merci, ça fait plaisir, hein. On se remet dans le bain, on galère un peu, mais on essaye, on essaye. Ouh! Et là, il y a eu un accident là! Opta qui a eu une coupure de courant. Ah, je me disais! Ouais, il vient de mettre sur le général qu'il a eu une coupure de courant, donc c'est normal s'il est Ah ouais, je me disais qu'il était un en IA, un IA. bot. Par contre, je viens de voir que Nkatal et Johnny Bigood sont out aussi. Aïe 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 aïe, quel dommage. Putain, il reste 12 pilotes. Aïe 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 aïe. On a à peine fait un tiers de la course. Tour 10, on se retrouve à 12 pilotes. Richer qui a toujours soif de la victoire. Qui met déjà plus d'une seconde et demie à Ezounet. Jordan qui est déjà très très loin derrière, à 6 secondes. Sixtron hein, qui se trouve P4 hein, pour l'instant. Il est bien Sixtron. Ah oui, en effet. Ouais. Ah, et puis on voit que devant, c'est des mecs qui sont pas rentrés. Hein. Ouais, on voit que. Ouf. On va se mettre un peu. Du coup, Opta, ouais, Opta, il est en botte. Ah là là là, j'espère qu'il va pas embêter les autres. Le DRS qui est activé à partir de maintenant. Là, il faudrait que Torkal arrive à passer le bot de Opta sans faire d'accident. Ce serait le top. Sixtron hein, qui est très très proche de Jordan. Il est dans sa zone de DRS qui va pouvoir activer dans 150 mètres. Très bonne reprise de Jordan. On a aussi Rastas qui est collé à Torkal. Ouh, Torkal qui d'acquête pour éviter l'accident. Et ça profite à Rastas qui permet de dépasser Torkal. Ouh non, ils sont côte à côte. Je ne dis que des bêtises. Attention, pas d'accident, s'il vous plaît. Pouf. Avec le bot, c'est très très chaud. Le bot qui vient de taper Rastaz. Aïe 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 aïe, les bots, les bots. Mais c'est bon, Rastaz peut le dépasser. Torkal en a profité. Ouh là là, ça se bat sur tous les fronts. Là, il y a Sixtron qui vole la P3 à Jordan. Très propre. Jordan qui prend 3 secondes. Ouh là là, Oh là qui c'est qui là, mais spin? le spin de Opta. Ah! Ah non, c'est Torkal qui a C'est spin, Torkal qui a pardon. spiné. Ah, dommage, il venait de faire une très bonne Pardon. manœuvre. Pas d'accident, Torkal, s'il te plaît. Y'a personne, tu peux y aller.
Devant ça se bat un peu, j'arrive pas à suivre tout le monde. Donc Opta qui est toujours en botte, hein, ça fout la merde. Vidule qui va le passer, qui le passe. Allez, c'est côte à côte, attention. Mais ça passe pour Vidule, en plus il a le DRS, il peut en profiter. Il faut qu'il distance le bot là, sinon. Maintenant c'est à Jam de passer le bot de Ouais. Opta. Ah, c'est un Et enfer ces bots. Jam l'avait dit en plus, ne vous mettez pas en botte, Banya. Aïe 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 Ah aïe là là, est-ce aïe, qu'il va le passer attention. ici? C'est très Est-ce très qu'il va se proche. battre le bot? Ah putain! Il va Et j'ai une pouvoir. 10-5 Ah, il roule très pourtant. fort, hein. Jam qui profite du DRS. Ouais, oh là là, DRS, le RS bot qui activé. le serre. C'est Hein. très très Oh très si, serré, ça mais ça va, ça passe. va, ça va, il Ouh, n'a ça me pas fait peur. sorti. Ouf. Ah ouais, je crois qu'il allait rester à l'intérieur quand même, le bot. Hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est passé. On va Heureusement. voir si Opta arrive à récupérer un peu de courant pour reprendre les commandes et terminer la course. J'espère. Maintenant, c'est au tour de Azibou de dépasser le bot. Ah, Aïe aïe aïe. Oh, attention, ça tape, ça oh, tape, ça tape Toto avec qui se Jam. bagarre et Azibou qui en profite. Oh là 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 Allez, là là. merci. Jam qui lâche pas, qui lâche pas. Attention, Jam. Il est roue Et contre roue. Oh aïe aïe ouais, aïe aïe. il doit être un petit peu vexé, je pense, c'est normal, hein. Alors là, il a été très fort. Ouais, bah après c'est bon, le bot il a été distancé un petit peu. Ouais, mais maintenant le bot, il a le DRS. Jam aussi, heureusement. Opti qui vient de chausser des pneus soft. Oui. Aïe 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 aïe, ce bot, ce bot. Tu vois, Greg, ton pote Opta, il nous fait des misères, des misères. Prête-lui un groupe électrogène s'il te plaît, c'est des problèmes chez lui. Alors, où? Alors c'est bon. Ezune qui nous prend une pénalité sûrement pour cut. Oui, Richer qui bombarde un hein, Richer, oh là 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 là. Oh, et j'ai l'impression que Torkal a encore... Ah non, Torkal qui rentre au stand. Ah, il est au stand Torkal, ouais. C'est bon. Mais Erastase qui Richer... commence à mettre la pression sur Six Strong. Ah oui, on va regarder ça. Richer, c'est incroyable, hein, l'avance qu'il met. Ouais. Oh là là. Ah, il fait pas beaucoup d'erreurs en plus, hein. Très peu d'erreurs, hein. On va regarder Rastaz. Est-ce que le DRS va lui profiter à dépasser Sextron? ERS activé, il a très peu de RS, hein. Il prend l'inspiration, il passe par la droite et ça passe facile, facile. Sixtron Fairplay qui laisse passer sans gêner. On a Ezune au stand qui chausse des hards. Vidule qui prend une pénalité sûrement pour un cut. Sixtron Oh qui là prend une là, pénalité. Ah, Sixtron qui a attention. cut. Les pénalités qui commencent à tomber. Attention les gars, s'il vous plaît. Erastase qui met quasiment une seconde déjà à Sixtron. Ouais, il creuse l'écart. Oh là 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 là, il s'envole Erastase. Hein. Rasta s'envole. Richer s'envole aussi, hein. Richer à 21 secondes d'avance. Ah putain, je suis à Miles. Ah. Ouais, Rastas qui devance, qui arrive à mettre la distance avec Sixtron. Jam qui s'est rapproché de Ezune. Ouh, Jam qui a fait spin. Ouh là là, dommage, dommage, l'erreur de Jam. Allez, mon Jam. Ah, et la pénalité bête pour Azibou.
5 secondes de pénalité, excès de vitesse dans les stands. Axel Meyer qui prend aussi 3 secondes de pénalité. Aïe aïe aïe, les pénalités. Allez, c'est bon, on est à 1 km/h maintenant. Ah, nice. Ah, il y a beaucoup de pénalités dans les stands. Hein. Ouais, les pénalités tombent. Falloir... Ah, il va falloir le travailler, tout ça. Ok, Rastage, déjà 2 secondes 5 d'avance sur 6 ouais. points. Il met 2 secondes et... Ah, ça a été une formalité, hein. Et Richer qui continue à mettre... Ah, il met une tempête là, Richer. Quasi 2 secondes par tour. Ouf. Pas de pénalité en plus. Un pilote très très propre, hein. Je suis très... très impressionné. Ouh, Jam! Jam qui est. Ah, qui est... TNT, Vidule, oh non! Avec Vidule, je pense qu'il y a eu. Il y a eu contact. Eu un contact. Ouais. Oh non, Jam! C'est dommage. Voiture c'est de sécurité. Dommage. Premier Grand Prix. Bah, c'est un Grand Prix d'entraînement, donc. On limite les frais, mais bon, c'est sûr que c'est toujours rageant. Ah là 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 là. Et troisième voiture de sécurité qui doit sortir. Suite au spin de Jam. Vidule qui n'aura pas le choix de rentrer au stand 1, qui a l'aileron avant, qui n'a plus d'aileron avant. Il a tout cassé. Ouh là là, il arrive plus à tourner. Ouais, donc on a 7 NT. Oh là 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 là. On va battre le record des Q1 ou pas. C'est une catastrophe. Rastas qui en profite pour faire un passage au stand, mettre des softs. Sixtron la même chose, hein, qui l'a suivi. Ouais, et les softs. Tout le monde fait sa petite stratégie. 5 pilotes sont passés au stand. Ah non, pour l'instant, Greg, pas de petits nuages. Il fait grand beau au Canada. Mais par contre, il pleut DSC. Et on a Jam qui nous rejoint sur le stream qui va nous donner plus d'infos sur son accident. La parole est à toi, Jam. Salut, ouais. Deuxième virage. Et voilà. Et y a une voiture qui m'est rentrée dedans. Je faisais une petite marche arrière pour oui. repartir. Mais... C'est Bidule qui t'a tapé dedans. Ah mais je sais pas. Normalement il prend extérieur à ce virage. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur. J'ai juste pas vu. Je sais pas d'où il l'a pris, mais c'est dommage. Ouais, je pensais que j'avais de la marche pour faire une petite marche arrière et repartir, tu vois. Mais il m'a touché. Donc... Et malheureusement non. C'est dommage. Tu vas faire quoi du coup? Tu le bannes ou... j'ai pas encore réfléchi mais... Non mais après, oui, il y a une FIA ou pas? Je sais plus si ça a été dit dans le briefing. Ouais, il va y avoir une petite FIA ouais. Sympatoche quoi, ça devrait être... Eh ouais, parce que là, il y a déjà 7 NT. Ouais, ça fait beaucoup ouais. Ça ouais. fait beaucoup ouais. Ouais. Bah la pluie ça a pas aidé, enfin non, quoi que c'était en qualif mais... C'était en qualif. Ouais, ouais, mais ouais. Quoique le jeu ouais, est nouveau, hein, il n'est pas évident à prendre en main. Ah ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il n'est pas évident du tout à prendre en main. Ouais. Ok, ça se passe bien sinon. Ouais, ça va. La course est sympa, entre les voitures de sécurité, ça va. Hein. Faut on a de la peine à se remettre dedans, là, ça fait longtemps, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Puis on découvre un peu les nouveaux pilotes, ceux qui sont les aliens, comme on dit. Hein. Ouais. Ceux qui vont très vite. Hein. Et ceux qui font un intermédiaire sur le sec. Ouais, ça c'était pas mal. Ouais, niveau météo, ça change pas du coup. Non, niveau météo, pour l'instant, ça a pas l'air.
Actuellement, donc il reste 11 pilotes en course. Hein. 5 pilotes font partie de la FSR, 6 sont des nouveaux. C'est incroyable. Donc le petit train-train qui se reforme gentiment, on a encore Torkal qui rejoint maintenant. Non, Torkal qui est encore un peu loin. Ouais, c'est très très mouvementé, hein. Allez, parfait, fin de la voiture de sécurité. Fin de la voiture de sécurité, ouais, ça va reprendre. On va regarder la relance, toujours la relance comme avant. On a Richer et Ezounet. P1, P2. Je vais me mettre sur Ezounet. Ouais, Richer et Ezounet qui conservent leur place de qualif, mais... Après le reste, c'est 15 places, 9 places, 6 places, 11 places de prix pour les pilotes, c'est incroyable. Allez, ouais, c'est incroyable. Ouais. Richer qui relance et Zunek qui est très très proche. Ah, ça zigzag. On va regarder que derrière ça tape pas. Sextron qui est à l'affût sur Jordan. Azibou qui colle au cul aussi. Et les pénalités qui continuent de tomber. Hein. Derrière, c'est très très serré, ça se lâche pas. Devant, ça prend gentiment son envol. Les trois, le trio de tête qui commence à creuser les secondes déjà. Jordan, c'est plutôt pas mal quand même, premier Grand Prix. Jordan se débrouille très très bien, ouais. Ouais. Sixtron a de la peine à... On a passé la moitié, il est quatrième. Après, c'est des pilotes quand même qui... Qui ont l'habitude des circuits. Ouais. Ah, ils connaissent par cœur. Hein. Hop là, NT. Qu'est-ce qu'il passé ? Ezounet qui a spin. Non. Sécurité. Bon, je pense qu'il va falloir mettre à jour ce réglage et diminuer les voitures de sécurité parce que on est à combien là? C'est la quatrième. C'est la quatrième. Quatrième, allez. Allez, j'avais 405. Non. Ça c'était la blague de mon grand-père parce qu'il avait une Peugeot 405. Donc mesdames et messieurs, tour 22, quatrième voiture de sécurité. Voilà, voilà. Ça continue. Ok, Sixtron qui pite. Bon là ça va monter des softs, je pense. Là je pense que les softs
13 vont être tours. Montés, effectivement. 13 tours, ouais, ça sort un soft, allez. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce aïe. Qu'elles sont belles, ces Alpines. C'est vrai que les Alpines sont belles, hein. Ah là 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 là. Sur, je me mets sur Vidule. Hop là. Il y a même mon chat qui participe au stream. Tu dis salut. Comment il s'appelle? Maggie. Maggie. Salut Maggie. Ouais. Yes. Il est trop beau. Isabelle. Ça veut dire quoi ça? Non, c'est une marque de chat. Une marque de chat? Non, une race. Ah ouais, ouais. Oui, c'est une race de chat, ouais. Comment t'appelles ça? J'ai oublié le nom maintenant. Un bengal. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui. Et on a Tochet sur le stream. Salut Tochet, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Que t'as assez de bière dans le sang. Salut Ominou. Merci Greg, je lui transmettrai le salut après. Alors il me semble que Richer c'est un excellent joueur. Peut-être semi-pro ou pro. Si okay. Je dis pas de bêtises. Ok ouais. Donc on va voir avec Rastas qui est juste derrière lui. Hop là il a touché. Aïe 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 aïe. Comment ça se passe pour la reprise, la relance? Je retourne boire, moi, cœur sur vous, à début septembre. T'as bien raison, Toché. Eh ben, tu sais quoi, tambourin pour nous. Voilà, exact. même 10, on te fait confiance. Alors. Surtout que j'ai osé défier les Bretons. À l'apéritif, on va dire. Et... Ouais, je pense que t'as fait une grosse erreur là, je pense. Ouais, ouais, ça leur a pas plu. Salut Bis! Bienvenue Bis! Wesh, wesh, comment tu vas? Alors, j'ai pas vu si la voiture rentre, mais j'ai l'impression qu'elle va rentrer. Exact, elle rentre ouais, maintenant. Ouais, ça rentre, ça rentre. On va regarder la relance. Rastas qui est très très proche. Hein. Ouais. Ouh là là. Sous côté gauche. Et voilà, c'est reparti. Très bonne relance de Richer. Rastas qui essaye de coller. Alors si tu vas bien, je vais bien aussi Ibis. Normalement maintenant tu l'as plus, c'était juste l'entracte on va dire, durant la voiture de sécurité. Normalement maintenant tu l'as plus. Si j'ai pas fait de bêtises. Alors, on a Sistron qui se bat avec Torkal. Et on a aussi Opta qui passe par l'extérieur. Sistron. Oulala, attention. La relance. Sistron qui incroyable, passe sur Torkal. Et on a Opta à l'extérieur qui essaye. Ah oh non, il a lâché les gaz. Heureusement, heureusement. Attention, la chicane. Ils sont très très proches. Torkal qui prend une pénalité. Et Opta qui prend le dessus sur Torkal. Ça va être chaud, ça va être chaud. Attention les gars, attention les gars. Ça passe, c'est propre, c'est très très propre. Ouais, malheureusement, Bis, 8 NT, c'est une catastrophe. 8 NT, 4 voitures de sécurité. Ça
Sixtron qui fait une bonne affaire, hein, qui se retrouve P3. Mais attention, il y a Opta qui met en découdre. Là. Opta, il veut pas perdre la P3, il veut la gagner. Par contre, devant, ça s'éloigne. Hein, ça s'éloigne. Richer qui met... Oh là là. Et on a Vidul. Vidul qui a spin. Ah, Vidul qui a spin. Et ouais, magnifique bagarre de Opta et Citron, je vais rester dessus. Bien, bel oeil, Greg. Et Richer qui fait encore le meilleur chrono, 1.9.921. On a le 9ème abondant. Et on a Rastas qui joue pour la première fois en boîte manuelle. Alors là, c'est incroyable. Merci Brand de l'info. Hein. Et bien sûr, merci Bis pour le follow. J'ai pas vu. Il y a trop d'infos en même temps là. J'arrive pas à tout gérer, les gars. T'es une star normalement. Putain, j'arrive pas. Mm-hmm. On va regarder la bataille là. On a Opta qui veut en découdre avec Sixtron. Eh va bah, Jordan. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on aura une voiture de sécurité? Ah, ça a pas l'air. Oh là 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 là, c'est l'hécatombe. 9 voitures NT. On va regarder Opta qui va pouvoir profiter du DRS. ERS activé, il prend l'aspiration. L'extérieur, ça passe facile. Sixtron qui peut juste le regarder passer. Allez Sixtron, faut pas lâcher. On a Azibou aussi qui essaye de rattraper Opti. Ah là là, c'est très serré. Plusieurs batailles, ça fait plaisir. Allez Opta, t'as raison Greg, faut encourager les poteaux. On va se mettre sur Sixtron, hein. Opta qui prend. Ah là là, il met de la distance, hein. Très très bon pilote Opta. Oh, et Sixtron qui part à la faute, qui spin et qui casse. Oh là là, Sixtron NT. Ah non, Sixtron. Oh là là, c'est une catastrophe. 11ème voiture. Ah là 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 là. En tout cas, je sais que ça va faire heureux. Je pense que dans le chat, Greg est heureux. Ça permet à Opta de prendre son envol et de plus pouvoir se battre avec Sixtron. Ah là là, mais c'est une catastrophe. Tu as raison, ne rien lâcher. Exactement. Et Richer qui améliore toujours. C'est incroyable. Quel pilote. Oh, mais quelle course aussi! Les pilotes qui prennent gentiment leur avance. Un Opta qui met une PT, un 7 secondes sur Rastas. Rastas qui a 1 seconde 2 sur Opta. Et Azibou, hein, encore une pénalité, hein, encore un cut. Aïe. On va se mettre sur Axel Meyer qui rattrape Torkal. Axel en pneu soft, Torkal en pneu hard, ça fait la diff, hein. Il va pouvoir profiter du DRS. Je vais mettre, oh là là, il y a plusieurs batailles, il y a aussi Opta justement, Opta qui s'est rapproché de Rastas. Il va aller battre, il va aller prendre ce P2, hein. Oh là là, sur qui mettre? Axel qui va manger. Voilà, je suis désolé. Rastas qui a plus d'énergie en plus. Aïe, oh! Axel qui fait la faute sur Torkal, qui le met dans le mur. Torkal oh NT là. C'est une catastrophe. Sur Rastas. Allez, plus que 6 voitures. Oh non, c'est pas possible. Eh mais on n'est pas couché. C'est pas possible. Et avec cet accident, j'ai pas vu le dépassement de Opta qui a pris l'avantage sur Rastas. Sur la ligne droite des stands avec le DRS. Ok. Alors j'en connais un qui est vraiment content dans le chat, je pense que c'est Greg. Et il a bien raison.
Opta qui va pouvoir distancer Rasta, je pense, à un pneu soft contre pneu médium. À voir maintenant. Normalement, Rasta n'aura juste pas le DRS, Ah, malheureusement. Ah oui, il ne se pose. il l'a quand même. Ah ouais, le dernier. Mais je pense que c'est trop long, c'est trop long. Merci Brand aussi hein, pour le follow, merci les gars. Salut à toi Brookfly, la remontada d'Opta qui est enclenchée exactement. Une sacrée remontada d'Opta, c'est un très très bon pilote aussi. Maintenant 4 tours pour aller chercher Richer, ça va être dur hein. Richer 9 secondes. Hein. Il est loin. Hein. Ça roule très fort devant, Richer roule très très fort. Mais quelle course! On n'a plus que 6 pilotes sur la piste. Je Alors, il faut crois remettre les que. pénalités aussi, parce qu'Azibou a 9 secondes de pénalité. J'avais regardé les pénalités. Il y a juste les deux premiers, Richer et Opta, qui n'ont pas de pénalité. Alors eux, ça va le faire. Ouais, 3 secondes pour Opti et Rastas, donc voilà, Ah. ça s'équilibre. Exact. Ah oui, mais après, que les intervalles meilleurs, il est rentré au stand, je crois, pour changer de pneu, je sais plus ce qu'il a fait. Donc il est à 40 secondes maintenant, là, c'est fini pour Axel. Ouais, là c'est. Azibou, il peut peut-être gratter une place si il fait pas d'erreur sur le circuit pour remonter au petit. Salut Sarawi, merci pour le clip. J'imagine que c'est la touchette de Axel envers Torkal. J'irai regarder ça après. Merci beaucoup. Ah bon, on va le mettre direct dans le fichier de réclamation. Ouais, Opta qui. Ah oui, en effet. Ah, alors c'est la touchette, merci. Ah ouais, joli. Merci à Siska. Merci à Sarawi. Et comme je disais avant, un Optas, il n'arrivera pas à remonter Richer, un Richer qui continue à mettre quelques secondes sur Opta. Merci beaucoup Sarah. Oui, et oui Brand, on va interviewer à la fin du GP. Je vais prendre les trois premiers. Si rien ne change, ce sera Richer, Opta et Rastaz. Et merci Sarah, oui, pour le follow. Oh là là, c'est une folie ce soir, c'est une folie. Ça n'arrête pas. Merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, si vous pilotez sur F1 ou sur d'autres jeux de voitures, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Hein. Tout le monde est la bienvenue. Alors, mon petit Asiska, 33e tour, il reste plus que 2 tours. Ah, il reste plus que 2 tours là. Bon, les écarts sont faits. Hein. Les écarts sont faits, il y a Opti qui peut peut-être envisager de dépasser Rastaz, mais. Il y a quand même une seconde 4. Incroyable, 6 voitures à l'arrivée. Ouais, C'est pas terminé encore, en effet, c'est pas mais. terminé, mais je pensais qu'il allait avoir des accidents, mais autant que ça. Ah, non, là, après, il faut se dire que c'est les premiers tours de roue. C'est la reprise. Ah, un petit qui prend une pénalité encore. Encore et encore. Il est plus qu'à 10 secondes à Zibou. Ah non, il est à 9 secondes aussi à Zibou. Mais oui, le temps que tout le monde roule ensemble, tout ça. Exact, ouais. On va se mettre sur Opta. Brand, ouais, super. Vivement la compétition. Ouais, on a hâte de la compète. Ça commence Ah en septembre. Hein. La première course sera pour la Liga le 12 septembre. Et pour la Ligue B le 16 septembre. On a deux championnats sur la Ligue FSR, Liga et Ligue B. Toutes les infos sont dans le Discord, hein, comme j'ai dit avant.
N'hésitez pas à rejoindre. Et Richer qui continue à augmenter hein, son intervalle, c'est incroyable, qui est dans son dernier tour. Ah, et pour le crash d'Axel qui a été clip. Oui. Apparemment, c'était un bot. Ok, alors ça, je. Donc, on va pas l'incriminer directement, on verra après la course, mais. On va regarder ça après la course alors. Ça serait un bot apparemment. Donc... Ok, on verra tout ça. Et on va gentiment arriver sur la fin de cette course catastrophique, j'ai envie de dire. Hein. C'est quand même wow, incroyable. 12 voitures NT. Richer qui arrive tout gentiment. Il va prendre la dernière chicane. La dernière accélération pour Richer. Et la victoire de Richer est magnifique avec les petits zigzags, on aime ça, magnifique. Opta à son tour qui va arriver avec 15 secondes d'écart sur la ligne d'arrivée. La dernière chicane, la dernière accélération. Et magnifique, la P2 pour Opta. La P3 pour Opti, oh, j'ai pas vu Opti est passé Rastaz. Mais malheureusement avec ses pénalités il garde sa P4. Donc 3ème Rastaz. P4 Opti, P5 Azibou et P6 nous avons Axel Meyer. Quelle course à 6K, quelle course. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin du GP. Magnifique victoire de Richer, hein. Pilotage sans faute. Belle course et un classement auquel on s'attendait vraiment pas du tout. Incroyable. Je vais essayer d'aller chercher le P1 et ensuite le P2 et ensuite le P3 bien entendu. Alors, où sont-ils? Merci Greg. Alors... Ouais, bravo à tous les pilotes. Je peux même pas le transférer chez nous. Ah bah c'était peut-être pas le rôle ou je sais pas. Ouais, Jam m'a dit qu'il m'avait mis pour le GP mais il m'a pas mis. T'arrives à balancer Ah ouais, mais Jam chez nous, faudrait gicler Jam et puis prendre Richer. Ah, peut-être qu'il est limité à 3. Ouais, là normalement. Ah peut-être maintenant je peux. Attends, je vais essayer. Il est où Richer? Bon, je peux même pas faire. C'est qui que tu veux move? Tony Richer. Tony Richer. Où est-ce qu'il est l'artiste? Tony Richer, hop. Et là? Ah, il est là. Salut Tony. Il est mute pour l'instant. Ouais. Aïe aïe aïe. Il est en train de célébrer, il est en train de faire péter le champagne. Allo Tony, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends, ouais. Salut Tony. T'étais mieux de salut. Je t'ai transféré dans le channel commentateur. Okay. Félicitations pour ta victoire. Hein. Ouais, merci. Quelle course! Ah ouais, incroyable. Ouais, c'était assez dur à la fin avec les gommes usées, mais c'est bon. Ouais, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur la course, comment tu l'as? Sur moi, j'ai rien à dire, mais... Sur la course, c'est vrai qu'il y a beaucoup de safety cars. Beaucoup, hein. On a eu 4 safety cars. Hein. Je pense que les pilotes ont été un peu déconcentrés par ça, du coup. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'accidents, parce que les safety cars les ont un peu endormis. Ah ouais, c'est vrai que c'est vrai. On va voir aussi pour le. Parce que la concentration, elle a diminué quand même. D'accord. Ok, et puis sinon, t'as quand même beaucoup d'expérience sur les jeux de F1. Quand même, on a remarqué ça, parce que j'ai vu zéro erreur de ta part, une conduite très très propre, les trajectoires étaient parfaites. C'est
c'est de l'entraînement. C'est l'entraînement, c'est voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ok, tryhard les gars, si vous voulez un niveau comme ça. Exact. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Magnifique course, bien joué à toi. Félicitations, je te redéplace vers le briefing. D'accord, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. On va essayer de. T'arrives à déplacer Qui donc? Opta, le P2. S'il est Opta, encore là au comme plus ça. grand plaisir de son fan club. Exact. Est-ce, il est où Opta? Mais je crois qu'il est déjà parti, non? Ah, attends, est-ce qu'il était vocal aussi? Parce que je le vois pas. À part s'il s'appelle Ragnar, mais ça m'étonne. Je le vois pas. Ah, moi non plus. Dommage. Bon, désolé pour les gens du chat. Malheureusement, Opta nous a déjà quittés. Il n'est plus sur le Discord. Ah, oh, dommage, dommage. Bon, ben, on peut prendre Rastaz, la P3. C'est incroyable que moi je peux pas les bouger. Rastaz. Ouais, Rastaz. Allez, je déplace. Allô, Rastaz? Ah, Ah, il est ta. aussi mute. Ah! Ouais, Rastaz, tu nous entends? Ouais, je vous entends, vous m'entendez? Ouais, je t'ai déplacé dans le channel Ok, commentateur. nickel, pas de problème. Bon, en tout cas, déjà, bien joué pour ta P3. Ah, merci, c'est gentil. C'était ta première course au sein de la FSR, c'est juste, hein? Non, j'avais fait déjà la saison dernière en Ouais, Ligue fin de saison dernière, ouais, Ok, c'était pas alors la saison. désolé, j'ai Non, oublié. pas de soucis, pas de soucis. Mais par contre, c'était la première fois que tu conduisais en manuel, c'est juste. C'est ça, Et exactement. tes ressentis? Des crampes, des crampes. Non, plus sérieusement, en fait, déjà j'ai eu un gros problème au niveau pendant ma qualif. Je sors du pit et le truc, c'est que du fait que je joue manette, ma manette, je l'ai connectée en Bluetooth en fait. Et en fait, mon clavier s'est connecté en même temps. Ah. Et du coup, ma voiture a avancé tout seul dans le mur en fait. Du coup, j'ai attendu toutes les qualifs en spec. Et du coup, je me retrouvais comme un con au tour de formation. J'ai vu qu'on était en manuel. Ah, ok. Et du coup, après, Jam m'a dit qu'il avait pas fait exprès, donc ouais, c'est pas de suite. Mais voilà, je me retrouve un peu bête sur le moment. Ah ouais, je veux bien Non, croire. après, sinon, une bonne course. Ouais, j'ai fait surtout très attention parce que j'ai vu le bazar qu'il y a eu avec les ailerons et tout. Ça, je m'y attendais un peu parce que avec le c'est pas F1 2020 à ce niveau-là, donc Ah, ça change, hein. encore. Voilà. Ouais, non, ça va, je me suis assuré de rien toucher, j'ai assuré ma course. Voilà, j'ai déjà facilement gagné, je pense, une bonne dizaine de places avec les abandons et tout. Ouais, t'as gagné beaucoup de Non, passes, mais surtout t'as fait de très bonnes batailles, hein, tu t'es pas laissé faire. voilà. Ouais, ça va. Et Bah, ça, après, comme. c'était. Après, ouais, c'était aussi compliqué de pouvoir rivaliser parce que quand tu passes les virages en 8 ou en 1, Oui. je t'avoue que la relance ou l'entrée de virage, elle est pas bonne. Mais. Non, ça. Non, et puis même Richer est un super pilote, hein, j'ai vu ça. Ah ouais, incroyable, ouais. Ouais, super pilote. Mais franchement, sincèrement, j'espère pouvoir me battre avec lui si les prochaines courses elles sont en automatique niveau boîte de vitesse. Ça serait vraiment bien me battre. Non, sérieusement, ça serait cool. Non, voilà, sinon c'était une belle course. Tout le monde a bien joué. C'était propre. Alors tant Bon, mieux, propre dans le ouais. sens. Propre dans le sens. Respect de la piste, respect des autres pilotes, on va Voilà, dire. ça c'est vrai que ça c'était très très bien. Non, alors en tout Non, voilà. cas, bien 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 joué. Non, merci, c'est gentil. Belle course, et puis ben on espère te revoir sur les circuits là Ouais. tout prochainement. Oui, pas de soucis. Là, pour en Ligue B, je pense que moi je joue pas sans Z, donc ça va être un peu compliqué la Ligue A, mais en Ligue B, pas de soucis, je serai Ok, là. alors on espère te voir en Ligue B. Ça marche, pas de problème. Alors bonne soirée, bien joué encore Ciao, GG. bonne Merci soirée. à Ouais, vous vous aussi, les gars. Ciao, ciao. Du coup, Rastas, joueur manette. Voilà, joueur manette Rastaz. Ok, je savais pas. Et non, on a Oui, là. Opta, il était pas disponible en vocal. Ouais, malheureusement, Opta nous a quitté trop tôt là. L'info Son chat micro ne utile. fonctionne pas, quel dommage. Ah, dommage, On dommage là. aurait aimé découvrir ce jeune pilote. Ça nous aurait fait plaisir, ça aurait fait plaisir aussi à vous. Bah, j'espère que ce sera pour la prochaine fois. Oui, j'en doute pas, on a une saison entière. Exact. Bon, bah, GG à toi, Siska, hein, ça a fait plaisir. Ouais, félicitations de se retrouver, tout ça, Putain. c'est cool. Ça fait du bien de retrouver tout ça. Ah, puis.
C'est le GP d'entraînement pour tout le monde. Ouais, c'était le GP entraînement pour tout le monde. Alors je vais gentiment arrêter le stream, je vais aller sur le général, voir ce qui se passe. Ça marche. Merci à Siska, merci à tout le monde qui était Ouais, sur le merci chat à là. toi. C'était Et vraiment tout. nickel, franchement, ton... C'est pas mal, hein? tes overlays, tout ça, ouais, c'est propre, là. Là, il y a du niveau. Ouais, c'était cool, c'était cool. Allez, bonne soirée à tout le Merci, monde. ouais. Bonne soirée les Ciao. gars. Ciao, ciao. Bonne soirée Greg, à la prochaine.